C'est bon pour tout le monde, là, Julien ? Bonjour Yanis. Bonjour. Ça fait un gros mois que tu es arrivé ici. On te sent déjà à l'aise et presque, je dirais, comme un poisson dans l'eau, c'est ton avis, ton ressenti ? Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai très bien été intégré, que ce soit par les joueurs ou par le staff. Et tout se passe bien pour l'instant et j'espère que ça va continuer. C'est ce à quoi tu t'imaginais quand tu as signé ici, le club, la ville, si tu as eu un petit peu le temps d'outils d'en faire le tour? Oui, franchement, même quand j'avais discuté avec le coach ou avec certains joueurs que je connaissais, il m'avait déjà dit qu'il y avait un bon groupe, que ce soit le staff ou même le personnel du club, que tout allait bien. C'était une sorte de famille, donc après l'intégration se fait plus facilement. Alors, on parle de jeu, parce que c'est quand même le but aussi. À l'entraînement, tu as l'air aussi complètement déjà fondu dans le moule. Ouais, tout à fait. Une fois qu'on est bien intégré, après, il n'y a plus qu'à jouer son jeu. Et on a une équipe qui est joueuse. Ça correspond aussi avec mon profil, donc tout se passe bien aussi sur le terrain. Alors, on parle d'entraînement, on parle aussi de match, même si c'était un match amical la dernière fois. On a tous regardé plusieurs fois sur la vidéo ton petit pied pour Van Den Bonen. C'est ça ton jeu, le jeu entre les lignes? Ouais, j'ai un jeu plus collectif, plus... J'aime jouer, combiner, redemander et je pense que vous l'avez remarqué au match. Justement, c'est sur où tu as envie de jouer, où tu te sens le plus à l'aise toi sur le terrain et à quel poste c'est où tu te régales le plus? Moi, je suis un avant-centre. J'ai joué pendant beaucoup d'années à ce poste-là, j'ai été formé à ce poste-là, mais après je sais jouer aussi sous l'attaquant ou sur les côtés. Donc je suis, on va dire, polyvalent. Tu peux nous raconter aussi ton l'après-Auxerre, on va dire, juste derrière, comment ça s'est passé ton été, alors entre l'état de forme physique, avant la signature, et puis aussi, deuxième question, pourquoi avoir choisi Toulouse, au bout du compte? À la fin de mon contrat, je suis rentré chez moi à Paris, et je me suis pas arrêté, j'ai continué les entraînements, parce que je savais que le mercato allait peut-être durer, allait être long, donc je continue à m'entraîner avec... d'autres footballeurs de ma ville et des préparateurs physiques. Et voilà. Alors justement, on suppose, enfin, en tout cas ce qui est transparent dans la presse, c'est que tu as eu pas mal de propositions, notamment de clubs de Ligue 1, enfin, des clubs qui se sont intéressés à toi en tout cas. Alors pourquoi finalement effectivement signer à Toulouse et favoriser le projet de Toulouse? Déjà, il y a la venue du coach qui a beaucoup joué, j'ai beaucoup discuté avec lui. Et on s'est directement bien entendu, que ce soit avec le président ou avec l'entraîneur. Et ensuite, il y a un réel projet. Il y a un réel projet. Et on sait qu'ici, ils sont aussi connus pour la formation de leurs jeunes joueurs. Et c'est ce qui me convenait le plus. T'es toujours souriant en plus, c'est agréable. Ouais, toujours. De la bonne humeur. Et on sourit parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de raison d'être énervé ou autre. T'en parlais, donc tu es assez polyvalent finalement devant. Est-ce que tu peux jouer aussi sur un côté, dans un 4-3-3, c'est pas, 4-3-3 de Philippe, c'est pas vraiment des ailiers parce qu'il rentre quand même à l'intérieur. Vous avez répondu à votre question, c'est que on joue en 4-3-3, mais on a cette liberté offensivement que les ailiers qui peuvent se mettre dans les intervalles, les interlignes, et qui peuvent aussi permuter, on peut tous permuter, donc... je me sens bien aussi dans ce 4-3-3. J'imagine que je ne suis pas le premier à te le dire. Hein. Quand on te voit, moi de suite, j'ai dit, et c'est positif, c'est pas du tout. Pour faire un comparaison, on te dit, c'est Benzema. Quoi. Ne serait-ce que dans ton allure, ne serait-ce que physiquement, où tu y ressembles un petit peu. On te l'a déjà faite, moi, celle-là? Oui, on me l'a déjà faite. Après, je suis loin encore de ce qu'il a accompli. C'est à moi d'aller chercher et d'espérer. Faire une aussi belle carrière que lui, voire plus. T'avais des modèles ou t'as un modèle aujourd'hui? Quel genre de joueur tu Vous l'avez cité. Ouais. Ouais. Okay. T'avais des posters dans ta chambre, non? Non, pas à ce point-là, mais ouais, je regarde beaucoup de vidéos de lui. Tu disais, donc, quels sont, même si c'est toujours difficile de s'auto-portraitiser, on va dire, quels sont tes atouts et dans quel domaine tu dois encore progresser? Je dirais déjà devant le but. J'ai cette faculté à être efficace devant le but.
et être disponible dans le jeu. Après, je dois progresser dans tous les domaines, on va dire. J'ai rien atteint encore. Je dois progresser. Là, je vous ai dit devant le but, mais je dois encore progresser devant le but. Je dois encore progresser dans le jeu et dans tous les autres domaines. Yanis, t'es entouré alors devant et puis au milieu d'un Anglais, d'un Finlandais, de deux Néerlandais, d'un Japonais. Comment ça se passe à l'entraînement? On laisse le football parler. On est sur le terrain, on s'entend bien. Et si on comprend tous le même football, même si on ne parle pas la même langue, ça vient tout seul. Il y a des règles, je ne sais pas, même données par le coach. On parle français pendant les séances d'entraînement. On s'adapte un petit peu en fait. Non, on s'adapte. Si la personne ne comprend pas le français, on va essayer de parler dans sa langue et inversement. Ça vous fait bosser l'anglais aussi, les français? Ouais, c'est bien, c'est mieux. On apprend l'anglais, l'espagnol, on apprend toutes les langues ici. Je reviens sur ta fiche, sur Transfermarkt, que tu connais. Il y a marqué des deux pieds, il est marqué ambidextre. T'as vraiment que sa faculté, t'as pas un pied fort? Je suis de naissance, on va dire, droitier. Je suis droitier, mais après, que je sois sur mon pied gauche ou mon pied droit, ça me dérange pas. Je peux faire la même chose du pied droit ou du pied gauche. Yanis, on a appris hier que le TFC allait être un peu précurseur la semaine prochaine. Alors, pour la réception de Grenoble, le prochain match au Stadium, on aura des fumigènes qui seront autorisés dans le stade. Tu as dû voir passer ça sans doute. Même si on en voit beaucoup, c'est interdit depuis longtemps. Toi, comment tu le vis en tant que joueur? Est-ce qu'on doit autoriser les fumis et d'avoir de belles animations comme ça en tribune? Moi, je trouve ça magnifique. Avant tout, c'est un spectacle. Les gens viennent voir un spectacle, viennent voir du football. Et déjà, juste le retour des supporters, ça fait du bien à tout le monde, que ce soit à la ville, aux personnes ou aux joueurs. Et en plus, si on peut rajouter des animations, pourquoi pas? C'est du plus et ça fera du beau spectacle. J'en reviens un peu sur ta carrière. Si je te dis 13 avril 2018, ça te parle? 13 avril 2018. Obligé là. Il y avait des champs face à Clermont. Ah, ma première. Tes débuts en pro, quand même. Ouais, ouais, 16 ouais. 16 ans, 9 mois et 9 jours. Ouais, en fait, vous m'auriez dit 16 ans, j'aurais dit oui, mais ouais, là, mais 2018, il fallait que je revienne dans les années. Ouais, c'était mes débuts, ouais. C'est super, enfin, c'est très précoce, quoi. Ouais, si j'ai commencé. Fond, c'était un gardien, c'est différent, mais toi. Ouais, j'ai commencé très tôt, et ça fait longtemps maintenant que je suis dans ce championnat. Et ouais, ils m'ont lancé rapidement et ça s'est bien passé. Ouais, parce que je disais que quelques mois avant, tu étais ramasseur de balles. C'est un truc, Ouais, avec y a une photo qui était sortie avec Romain Philippotto, qui est à Dijon là. Et c'était moi qui lui donnais le ballon. C'est bon. C'est pas Pablo Correa, hein? Ouais, c'est ça. C'était Pablo Correa. Quels sont tes objectifs perso et collectifs, j'allais dire, assez immédiats quoi, pour la saison? Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Franchement, c'est d'apprendre, de progresser, de bien m'adapter au style de l'équipe et aux amis de l'équipe. Et engranger, progresser, ne pas griller les étapes. Et oui, jouer, on va dire jouer, avoir des ambitions de jouer tous les matchs, mais il y a des étapes avant. Et là, je dois travailler fort et dur pour atteindre ses objectifs et répondre présent quand on fera appel à moi. Physiquement, là, t'es à quel pourcentage aujourd'hui? T'es à 100% ou t'en manques un peu? Je pense qu'une personne ne peut pas dire qu'elle est à 100% tant qu'elle ne jouera pas 90 minutes à tous les matchs. Il faut enchaîner les matchs, enchaîner les minutes. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra dire cette personne est à 100% ou à 80% ou à 90%. Là, j'essaye le temps de jeu qu'on me donne de montrer ce que je vaux. Et physiquement progresser, que ce soit en entraînement ou en match, et petit à petit gravir les étapes. Tu as joué que des bouts de match hein, pour l'instant, des 10-12 minutes. On peut imaginer que tu vas peut-être jouer un peu plus en Normandie lundi. Possible, hein, faut voir avec le coach. Faut demander ça au coach. Ça te titille, quoi, t'as envie. Oui, après, ça serait mentir de vous dire j'ai pas envie de jouer ou j'ai pas envie de. Quel joueur n'a pas envie de jouer dans l'équipe? Mais faut pas tout griller. Et monter petit à petit. Après, c'est sûr, si on fera appel à moi, ce sera à moi de répondre présent. Yanis, ça fait quelques années que tu as naturellement un regard sur la Ligue 2 avec tes années à Auxerre, en l'occurrence.
Où tu situes ce TFC, le TFC de cette saison, par rapport aux autres équipes que tu as vues, que ce soit au CERN, mais aussi les autres équipes que tu as affrontées ou celles que tu as pu regarder les années précédentes? Où tu situes le TFC par rapport à ça? Je pense qu'une équipe qui a joué les barrages la saison dernière ne peut pas cette année se tromper d'objectif et dire qu'on joue le maintien ou quoi que ce soit. Oui, je pense qu'on est capable et on a l'équipe pour aller chercher la montée. Après, je pense qu'il ne faut pas le crier sur tous les toits. On travaille tous, on travaille dur. Et je pense qu'il n'y a que la réalité du terrain qui fera qu'on pourra dire que le TFC mérite de monter et doit monter. Et c'est là où je vois l'équipe, c'est qu'on doit prendre de match après match et répondre présent déjà dès lundi. On a le sentiment que collectivement, cette équipe, elle dégage quelque chose d'encore différent de la saison dernière. Alors, tu n'étais pas encore arrivé, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'individualité, ça crée un collectif fort. Mais on a le sentiment que cette saison, et le nombre de points en témoigne, il y a quelque chose de collectif assez cohérent, assez costaud. C'est l'impression que tu as aussi? Oui, tout à fait. Bah, déjà, on le voit quand, avec les recrues. Je suis une recrue et j'ai été rapidement bien intégré, que ce soit par tout le club. Et ça montre déjà qu'il y a un réel collectif et une réelle équipe. Et après, c'est aussi mis en place par le staff technique, d'avoir une famille, que ce ne soit pas une simple équipe, mais une famille qui, dans chaque moment, que ce soit compliqué ou dans les moments de joie, qu'on soit tous ensemble. Le discours du coach, tu nous en parlais avant, quand tu te confortais dans ton choix. Aujourd'hui, c'est quoi son discours par rapport à un attaquant comme toi, lui qui est gardien? Il y a un discours particulier? Non, il n'y a pas de discours particulier. Je m'entraîne normalement avec tout le monde. Après, quand il doit me conseiller, il me conseille. Et on avance petit à petit. L'équipe de France, alors, t'étais U19 ou genre, enfin... J'ai fait toutes les catégories jusqu'à U20. Et là je suis passé en espoir. Ah d'accord, ok. Là, maintenant, ma catégorie. Des 4. Oui, U20, ouais. C'était la saison dernière. Ouais, tu sais combien, quoi. J'ai regardé bizarrement, c'est sur la fiche FFF. Les dernières sélections. Non, j'ai fait U20, c'était contre... comme ça, je me souviens plus, franchement. Oui, parce qu'en plus, c'était saison Covid. Donc ouais, en fait, c'était ça, il y a eu le décalage avec le Covid, et on n'en a pas fait beaucoup, on n'en a fait qu'une. Mmh. Et après, on devait avoir la Coupe du Monde et l'Euro, mais ça a été annulé avec le Covid. D'accord. A priori, donc, tu pourrais toujours jouer pour le Maroc, mais tu t'es décidé ou... Non, je n'ai pas pris de décision. Aujourd'hui, je me sens très bien en équipe de France. Et je veux continuer avec eux.